What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, l'aspect sur le Bioshock, premier du nom. Donc on va un petit peu voir le jardin des glaneuses. Donc on va pouvoir s'acheter des améliorations génétiques. Donc enrage la cible qui dirige son attaque vers quelqu'un d'autre, ça c'est vraiment pas mal. Réduit tous les dégâts physiques, l'utilisation de trousseau restaure aussi votre rêve, augmente votre santé maximum. Ça, j'aurais pu le faire, mais on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Augmente votre rêve maximum. Alors moi, par logique, j'aurais amélioré la santé, mais j'hésite de prendre rage, parce que c'est quand même très 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 utile. Mais je pense que non, on va améliorer la santé. C'est ce que je vais faire en premier, parce que, regardez, voilà, vraiment, ça fait une barre de vie bien améliorée. Donc on va passer par là. Donc évidemment, quand on fait méchant, on gagne le double de d'Adam que normal. Ce qui aurait fait que là, j'aurais pu par exemple me prendre donc l'amélioration de vie, plus l'amélioration... Oh, bonjour toi. Plus l'amélioration d'Eve. Donc là, il y a une autre petite sœur plus loin pour prendre son Adam. Vous devez d'abord affronter son protecteur. Et c'est ce qu'on va faire, on va défoncer son protecteur de merde. Merde, j'ai inversé la touche. J'ai oublié comment tirer sur ce putain de jeu de merde. Et ouais, j'aurais pas dû me faire du Black Ops juste avant. Rêve, protecteur, mes couilles. Allez, meurs, 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 meurs. Il se vénère, hein. Moi je le dis. Hop là, on se soigne. Le putain enculé. Il prend du feu là, dégage. Oh là, il est ardu cet enculé quand même. Il est vraiment chaud chaud du cul. Là, où est cet enculé? Tram. Tram plus vite. Enculé là. Allez. Il va me foncer dessus, il va me foncer dessus. Oh l'enfoiré. Meurs. Meurs s'il te plaît. Ah, je souffre, je souffre. Là c'est fini pour moi. Aïe 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 aïe. Bon bah c'est l'occasion de vous faire découvrir donc la petite chambre. Voilà voilà. Ouvrir les portes. Et voilà, comme neuf les amis. Bonjour. Où est le protecteur? Il doit être vers là-bas, non? Il est où? Merde, j'ai perdu le protecteur. Avec tout ce grabuge. Non, mais il doit être en haut. Là. Normalement, il est juste en haut. Attends, on va récupérer des pansements pour se L un petit peu. J'espère qu'il a pas récupéré totalement sa vie, ce bâtard. Où est-ce qu'il est, sans foiré? Il est dans le coin, là. Ça, il a pas tout récupéré. Crève, foiré. Meurs, mon gars. Allez. Esquive. Julien, fais quelque chose. Je vais essayer de l'amener sur la tourelle. Si je peux. Oh, l'enfoiré. Il fait v'là les dégâts, quand même. Hein. Non. Hop là, ça me permet de faire une petite pause pour réfléchir à ma stratégie. On va essayer de mettre les mines performantes. Enfin, perforantes, pas bien. Anti-personnel, voilà. Alors ça va faire très mal. Non. Putain, j'y étais. Quiconque. Non, 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 non. S'il te plaît, ne me tue pas. Juste meurs. Allez, on a confiance en nous. Ouais. C'est pas trop ça, hein, on est d'accord. Entre nous, je me fais niquer comme une vieille merde. Bon, il faut que je la chope parce que c'est pas possible. Là-dedans, c'est vraiment trop important sur ce putain de jeu. Et je pense qu'en plus, on va avoir un message supplémentaire. On peut pas, hein, on peut tout simplement pas ne pas se faire ce protecteur qui est là. Oh l'enculé! Ah ouais, d'accord, le mec direct. Il va me retuer. Putain de merde. Oh là là. Eh, je lui ai tiré quelques balles. Le mec direct, poum. Il m'a fait une technique technique suprême là. Attends, putain de merde, j'ai quoi? Je pense que vraiment le meilleur ça reste quand même le pompe, hein. Le pompe il fait vraiment mal sa race. Et d'ailleurs il va falloir peut-être s'acheter des munitions au bout d'un moment, parce que c'est vraiment le top du top. Alors, où est le protecteur? Ça fait je sais pas combien de fois que je me fail, heureusement qu'il passe pas sa vie de bâtard. Allez, crève là, c'est bon, t'es fini mon gars. Pas ma gueule, tu mourras pas. Yes! Bim! Voilà. Donc, les petites sœurs l'appellent Monsieur P parce que c'est le protecteur tout le monde. Sauve la vie! Donc là, je ne prends pas de dégâts. Allez, petite blonde, alors je crois qu'elle est blonde, c'est pas ta maligne là. T'as la tourelle qui me tient dessus, dépêche. Putain, déplace-toi! Oh ce bordel! Petite sœur, si tu veux survivre, un conseil, ne passe pas devant la tourelle par contre. Il y a un autre protecteur? Bonjour! Qu'est-ce qu'il branle là lui?
Mais il y a un bit là. Il y a un bit. Ah non, c'est parce qu'en fait ils viennent d'envoyer un nouveau protecteur pour protéger la petite sœur en fait. J'ai compris. Vous êtes bientôt revenu au sein d'urgence. Franchissez le dès que vous y serez. Ryan, wow, copain. Mais il surgira avant même que vous vous en rendiez. Oh, il a fait pour lancer une bombe, il y a des fuites là. Gros fail de la peur des créateurs, je sens là. Attendez, faut que j'aille où là? Il est dans le coin, le connard là. Attends, on va... Ah ouais, d'accord, tu lances des grenades directes. Merde! Ça, je m'as lancé dessus. Il est où ce salaud? Il est où? Comment il a fait pour lancer une grenade ici? Putain, je vois rien, j'ai du contre-jour sur l'écran. Ça y est, retour du contre-jour, les amis. Vous êtes malade. Il a fait une bombe fumigène, mais il est fou ce mec. Il s'est pris pour Batman quoi. Tiens, je te tatane les fesses moi. Tiens, meurs pas, Julien. Hein. Il est où? Il est mort, hein. Visiblement, ouais. Ah, je vois vraiment rien. Ça va être une horreur, les amis. Ah là 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 là. Vraiment, je ne vois que dalle. Alors, par contre, ah voilà, il faut appuyer sur le bouton. Enfin, sur la nouvelle, quoi, le truc chelou. Vous avez compris, le levier, voilà. Je cherche les mots. C'est une mare de sang, ça. Ah, donc on va. On va rencontrer notre cher Atlas. C'est parti pour le trésor de Neptune. Donc chargement. Bon, ça, on s'en est quand même plutôt bien sorti en crevant 4-5 fois. Là, j'ai presque plus de vie. J'ai plus qu'une seringue de Eve. C'est la merde. Hein. On est d'accord. Il va falloir faire sortir. Je vais les systèmes que vous pouvez pirater. Le fluide sera ralenti et leur piratage sera plus facile. Ah oui, quand on gèle les machines, bah, vous savez, le fluide anti-piratage bah, se déplace plus vite dans les tuyaux. Ils ont vraiment fait des systèmes de gameplay très 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 sympathiques. C'est cool. Vous pouvez modifier la difficulté de jeu à tout moment. Oui. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je rendrai pas le jeu plus difficile que ce qu'il l'est. Hein. Non merci, c'est pas mon genre. Comme je l'ai dit, gamer mais pas hardcore. J'ai jamais vu trop l'intérêt d'être un hardcore gamer en fait. Celui-là, il a dû vivre une très belle vie. Alors, la Bible, il n'y a rien en dessous. C'est genre le mec, genre qu'il cherchait quelque chose en dessous, mais en fait c'est juste fait plaisir de la démonter. Non, non, c'est pas que j'ai quelque chose contre la Bible. Spécialement, alors. Génotech, échanger amélioration génétique. Ah oui, c'est là qu'on peut. Par exemple, là je peux récupérer mon arc électrique et je pense que ça serait une bonne idée. Regardez. Parce que, vu que. Déjà, on peut gagner des places. Alors, où est ma réserve? Déjà là, j'aimerais changer des pouvoirs. Voilà, par exemple, qu'est-ce qui me sert le moins là? La télékinésie, je pense que ça va plus me servir à rien. Donc, on va se mettre l'arc électrique. Voilà. Et là, on est bien parce que l'arc électrique est vraiment un petit peu multifonction. Là, j'aurais pas d'autre truc. Non, visiblement, non, à mon avis, sinon il se serait mis automatiquement. C'est la logique. Il y a le téléphone rouge. Ah ah, ils ont mis le téléphone rouge. Ça, c'est vraiment. En plus, regardez, il y a marqué 1948 dessus. Alors, ça, à mon avis, c'est vraiment la référence à la guerre froide, énormissime. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a écrit là. Open. Ah non, Security Medical. Non, après, ça sert à rien à voir. Ok, ok, ok. Donc on va passer par là. Hop là. Putain, je vois rien, ça. C'est stressant. C'est pas que le jeu il est trop sombre, c'est... Enfin, le jeu est sombre, mais avec en plus... Qui vient ramper dans mon jardin? Bonjour, madame. Ah, je brûle. Putain de merde. Je viens de tuer ce type. Hop là. Merci pour la trousse de soins. Hop, 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 hop. Bonjour. Ah, elle rassure celle-là, hein. Ça donne envie de continuer plus loin pour qu'elle nous attaque. Et hop, une trousse de soins. Je défonce, moi. Putain, un protecteur. C'est-à-dire, il y a une petite sœur dans le coin déjà là. Elle est où la petite sœur? Je la vois pas. Je peux attaquer au protecteur pour rien. Hein. On se le fait ou pas? Moi je dis, c'est à tester. Hein. Hop là. Merde. Tape là. Tape ce connard de merde. Putain, je fais quasi aucun dégât, ce caca là. Merde, mais change les balles. Vite, 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 vite. Hop là. Ouais, il y a une petite sœur donc avec lui.
enfoiré. Oh la vie qui m'a enlevé. Putain, mais il est... Lui, il est avec une arme de loin en plus. J'ai quoi comme arme? Là, j'ai quelques balles. Là. Ouais, bon d'accord. Bah oui, évidemment. Putain, je le soleil en pleine gueule, c'est une horreur, mais vraiment. J'arrive pour faire la vidéo, le soleil, poum. Hop là, dans ma putain de gueule. Je peux... Ma fenêtre, elle est vraiment, mais pas si grande que ça, hein. Et là, sniper le soleil, quoi. Il est vraiment au bon endroit. Putain, de pied de merde. Donc, allez, là, Bon, je le reteste, mais je comprends pas pourquoi je galère autant contre un protecteur. Hein. Moi, je me rappelle, avant, je l'ai biché, ces bâtards. Et pourtant, je suis en normal, là. Avant, je me faisais pas trop... Je me faisais pas trop péter le cul, quand même. Il est où, ce salaud, là? Normalement, il devrait être dans le coin, là. Voilà. Le pouvoir. Oh, il y a de l'eau, là. Putain, mais il m'a enlevé trop de vie, cet enfoiré. Voilà, on change d'arme. Là, j'ai pas beaucoup de balles. Hein. On va s'en servir, mais il prend. Voilà, 65 balles. Ah, pas mal. On va le paralyser un coup. Hop là. Vite, recharge. Ah, il avait pas rechargé cet enculé. Hop là. Très. Oh, il y a un mec qui m'aide. Enfin, après, il va m'attaquer à moi. Au moment, il m'aide. Putain de caca, caca, caca. Je suis dans la merde. Ah ouais, non mais... Le bordel, quoi. Vraiment le bordel. Je sais pas comment je suis censé me débrouiller pour niquer des gens, mais... Oh, 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 oh. Hey. D'accord. Vraiment, hein, le truc s'est mis à tirer tout seul. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est ma manette qui doit commencer à déconner, c'est pas cool. Donc on va s'acheter les chevrotines, donc une fois 6. Putain, ça coûte cher. Oh. Ah ouais. Ah, ça me fait mal au cul. Hein. Bon, en même temps, ça vaut le coup, on va dire. Ah, mais on peut le pirater. Venez, on teste. On va le pirater, attendez. Donc, lancer piratage. Alors, putain, c'est vraiment quand même ardu comme jeu. Hein. Hop là, hop là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... putain, vite, trouve une pièce, là. Celle-là. Putain, ça va vite. Oh, ça va vite. En plus, on se prend une décharge électrique si on se plante. Et j'ai vraiment pas envie de prendre plus de dégâts que ça. Hop là, hop là, hop là. Vite. Putain, va falloir avoir de la réaction, les amis. Hop là. Non, merde, ça passe pas, ça. Ça. Tac. Vite, vite, vite. Ça là, hop là. Hop là. Tac, tac, tac. Ensuite, Tac, tac. Je peux mettre ça. Allez, normalement, j'y suis là. J'ai gagné. Il était où l'autre? Il était là. C'est bon, une fois qu'on prend de l'avance sur le jeu. Voilà. Donc, piratage réussi. Et je crois que les agents sont beaucoup moins chers en fait. Mais ça, il aurait fallu le faire avant. Putain de merde. Con de moi. Con de deux mois. Con, 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 con de moi. Ah là, non, mais vraiment, j'ai les boules. Ah putain de merde. J'aurais pu acheter beaucoup plus de balles. Ah, il est où le protecteur? Parce que maintenant on lâche plus, bâtard. C'est fini. Crève. Changeons d'arme. Je vais t'apprendre la vie du pont, mon gars. La vie du pont, vous avez compris. Double phrase. Oh, 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 oh. C'était très fort. Le calme, mon gars. Crève. Il lance des grenades en plus, ce salaud. Ah, j'ai plus le pouvoir en plus. Ah non, tu te barres? Tu te barres pas, mon gars. Oh là là, je finis. Oh, je suis fini. Oh, je suis fini. Non, salopio. Petit salopio de merde. Et je t'aurai un jour. Je t'aurai. Bon. Bah, let's go, hein. Ah là 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 là. Je suis un PGM. C'est fantastique. Je n'ai plus de trousse de soins, je n'ai plus rien. Je suis un clochard. Comme c'est pas possible. Mon ami. Je vais te défoncer ta seule gueule de merde. Allez, hop là. Crève. Chien. Salopio. En plus, il a lâché une arme qui a l'air pas mal. Alors, elle est où, petite sœur? Je te sauve. Vraiment très sympa. Je pense que vous me comprenez pourquoi en fait la première fois je l'avais fait en méchant. Hein.
Comment tu galères pour niquer un protecteur, moi je me chie pas dessus. Hein. Je dirais que je prends tout. Je suis mort. Merci, merci. Putain. D'accord. La petite sœur me fait un cadeau en gage de reconnaissance, mais d'accord. Tenue veut vous récompenser, la récompense sera dans un nounours près d'un jardin des glaneuses. D'accord. Super. Je me fais niquer 20 millions de fois. Vite. On va voir c'était qui l'enculé qui nous a tués là. En plus c'est une mine ce truc là, vaut mieux pas marcher dessus, un jour ça va m'arriver, je suis sûr. Alors déjà c'est quoi ça? Arrête. Ah putain, il y avait une tourelle ici. Mais non! Qui c'est qui vient de me tuer? C'est une blague, il y avait une arme là qui avait l'air grave, mais... Mais grave puissante, une sorte de harpon là. Ou le pompe du mec, je sais pas. Ah oui, je sais ce que c'est. Ah putain, c'est trop. Elle est trop bonne cette arme, il va falloir que je la chope. Attendez, d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va électrocuter le machin là, qui me fait chier depuis tout à l'heure. Et le pirater. Comme ça, ça sera fait. Hop. Alors, il est où? Il est où ce tour là, con? Elle est où? Elle était où? Elle est là. Hop là. Piratage. Hop là, donc lancez piratage, il va falloir se dépêcher. Allez, le pro du puzzle Power Julien se lance dans ce puzzle de fou. Tac. Hop là, petite référence donc à Firebrand Puzzle of Gods. Pour ceux qui connaissent, c'est un manga qui est passable. Il est sympa. Hop là. Allez, vite. Échange. Oh putain, j'ai changé le même pour le même. Cette intelligence suprême. Hop là. Ensuite, il va falloir. S'il vous plaît. Celui-là. Parfait. Merde. Putain. Mais c'est le même en plus, qui est con. Voilà. Et maintenant, il me faut un qui fasse comme ça. Oh, ils sont simples pour le boy, c'est bon. À chaque fois, je voulais racheter une pièce, mais elle y était déjà. C'est normal. Donc la tourelle est donc mon ami. Il y en a une autre qui est au fond là-bas. J'aurais dû les mettre en allié et après attaquer l'autre. Faut obtenir un conseil. Qu'est-ce qu'ils vont me dire comme conseil? Suivez les panneaux vers les pêcheries fontaines. Non mais c'est pas ça le truc. En fait c'est que... Ah mais en fait c'était qu'il fallait juste pas que j'aille là en fait. C'était surtout ça le beans. Ah ouais mais il y avait l'arme de l'autre qui m'intéressait là. Elle est où? Fouiller Rosie. Ah bah déjà j'ai récupéré quelques dollars. Mais ça là, y est. Pistolet arrivé, voilà, je l'ai ou pas le pistolet arrivé maintenant? Je l'ai pas. Vivement que je chope parce qu'il est vraiment très puissant. Je kiffais cette arme, franchement. Elle est vachement sympathique. Donc là, ah voilà, donc là c'est le cadeau. Merci pour le 200 Adam. Ah bah finalement, donc ça vaut carrément le coup de sauver les petites soeurs. Ça sert à quoi d'être méchant alors? Nouveau plasmide gardien, besoin d'un garde du corps instantané. Un nouveau plasmide gardien trompera un protecteur qui vous protégera comme si vous étiez sa petite sœur. Ah ouais. Putain, j'aurais dû me le faire en gentil. Oh là là. Implorez l'aide d'un protecteur. Faites-lui croire que vous êtes une petite sœur. Regardez-le se battre pour vous protéger. Ah ouais, mais ce cheat abusé. Oh là là. Déjà c'est du cheat abusé, je sais pas si tu vois le genre. Et crève monsieur le cuisinier. Toi aussi là. Ah, pas mal le... Déjà. Là. Piratage. Allez, chaud. Go. Allez hop là. Ah là ils ont rajouté des contraintes, salopards. Hop. Ouais, c'est ardu. Là on va utiliser pour ralentir le flux, ça va être cool. Ensuite, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Putain ça va vite, ça va vraiment vite. C'est bâtard, j'ai aucun truc pour tourner dans le bon si vite. Allez, hop là. C'est hard. Il y en a aucun. Putain merde. Ah ouais d'accord, vous êtes sérieux là? Il y a celui-là qui est déjà bien. Tac. À ce niveau-là, il faut que je tourne quand même, s'il vous plaît. Donc, tac. Et on est bon. Bon, c'était
C'était quand même plus dur. Ouf, je suis fier de moi. Bon, une fois que ça s'est fait, putain, je vais avoir Rapture entière alliée avec moi. Défonce-le, lance-roquette. Ça sert à quelque chose, lance-roquette, quand il est avec moi, s'il vous plaît, que tu les aies mis un peu. Bon, il faut que je fasse quoi là? Il faut que je me jette dans l'eau. Non, il faut que je me par là. Alors, juste ne tire pas dessus. Voilà. On va laisser l'autre s'en charger. C'est un russe. Faire ce qu'il a sur lui. Hop là. Putain, je crois que j'ai entendu la meuf parler encore. Putain, elle fait stresser ça, Maslot, quand même. En racontant sa vie là. Bon, j'ai récupéré pas mal de trucs de soins, je suis content. Bon, on va appuyer sur entrée. Atlas a appelé. Il a dit que vous aviez besoin d'entrer dans les pêcheries. Pour moi, c'est une sottise. Mais si vous allez dans le bureau du capitaine et que vous trouvez un appareil photo de recherche pour Peach, je pourrais m'arranger pour vous faire entrer. C'était quoi? Mon ami, vous êtes fichu. Hein? Oh non, c'est-à-dire qu'il va y avoir la... Oh non, pas elle. Putain, heureusement que j'ai le fond. Bonjour. Tiens. Oh là là, mais c'est une ninja. Il y a une ninja. Arrête. Elle fait des shurikens. Peut-être que le corps à corps c'est mieux contre ce dégueulasse là. Vite, soigne-toi. Arrête de fuir. Oh là là, mais la vie qu'elle a. Ah, il envoie des robots à mon aide. Elle est gentille. Par contre, elle est où la ninja là? Oh là là, merde. Vas-y, tire-lui bien dessus là. Oh, c'est bien, le robot il s'en charge là. Et souffre. Celui-là est trop coriace pour vous. Regardez sur le tapis roulant. Il y a de quoi vous recruter. Maintenant, allez chercher l'appareil et prenez le couteau de ce strike. Oh, le lance-grenade. Vous pourrez en faire. On va se soigner. Enfoncez vos cassas dans le crâne. Si je sens l'odeur de fontaine sur vous, vous finirez dans une boîte. Atlas répond de vous. Je t'entends. C'est pas parce qu'il me fait son numéro que je vais me laisser endormir. Ok, d'accord. Donc, si j'ai l'odeur de fontaine sur moi, je sais pas ce qu'il veut. Un adulte terrifié comme un môme par des fantômes. Fontaine est mort, tout le monde le sait, ça. Et moi, qui pourrais y pieds sous terre. Mais il sursaute encore, croyant voir son ombre. Même Ryan, vous imaginez? Moi, ça n'a pas d'importance. On a du pain sur la planche. Ouais, d'accord, ça veut dire que Fontaine il est en vie, bordel. Ils sont relous ceux-là. Ils sont vraiment ils sont vraiment pas faciles hein. Hop là. Heureusement qu'il lâche pas mal d'items. Bah vraiment j'aurais fait plus dur que normal, mais comment j'en aurais chié. Voilà, il y a ma tourelle qui a l'air de bien bicher des culs. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Des mines de proximité, chevrotine, du fric et des munitions pour flingues. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça, mais ça veut surtout dire qu'on va se taper des... Ah! Alors toi, ça va être abusément cheaté. Alors est-ce que... Vas-y, aide-moi, protecteur, défonce-les un petit peu. On va vite utiliser ça. Hop là. Vas-y, tue ce machin. Bien joué. Vas-y, mais tape celui-là aussi, là. Ça y est, tu es toujours... Est-ce que t'es toujours sous l'effet du truc? Je sais pas si t'es toujours sous l'effet du truc, ça me fait peur. Si visiblement, il a l'air d'être avec moi. En fait, je crois que quand il a ses yeux verts, c'est qu'il est gentil. Enfin, il me suit à la trace. C'est très bien, ça. Là, il y a des trucs de poisson dégueulasses. On va prendre là. Allez, hop là. Oh, toi tu dégages. Protecteur, aide-moi un petit peu là. Suis-moi de près. Putain, il sert pas à grand chose. Je pensais que ça allait être craqué, mais le mec il m'aide pas trop.
Mais déjà tu me bloques là, tu me bloques. Dégage. Pousse-toi. Bon, alors c'est quoi ça? Panneau de sécurité. Ah ouais, c'est là quand on... Ça c'est pour annuler les alarmes déjà. Donc c'est-à-dire que pas loin il y a une caméra. Oh putain. Attention mon gars. Va falloir... falloir être rapide. Alors attendez, je pense que ça va défoncer la caméra rapidement. Vite, vite. Voilà, ouf. Oh, on a eu chaud, on a eu chaud. Merci protecteur, je te revaudrai. Merde. Défonce, tu cap. C'est bon? Oh mais il est... Il est un peu trop puissant quand même hein, ce bâtard. L'appareil photo de recherche ressemble à ceux que vous avez à la surface. D'après un article dans le magazine que j'avais emprunté, il va aussi enregistrer des informations génétiques, wow. Analyser les structures biologiques. On se calme les amis là. Beaucoup d'autres choses très compliquées. Putain, ils sont vraiment... Ils sont vraiment violents ces bâtards. Hop là, on va pirater. Voilà, allez. Let's go. Bon, ça a l'air d'être un piratage facile vu qu'il coûtait que 12$ celui-là. Tac, tac, tac. Je suis le pro du... Je suis le pro du jeu du plombier moi maintenant. C'est un truc de fou ça. Hop là. Ensuite, ouais, celui-là ça va ralentir au cas où je sais pas jouer à ce jeu de merde. Tac, tac, tac. Allez, vite, plus de pièces s'il vous plaît. Bon, on va mettre celui-là. Là. Tac. Tac. Ensuite, bah c'est vrai que bon, quand on joue à Bioshock, il y a beaucoup de petits puzzles comme ça parce que bon, ça c'est vraiment partie intégrante du gameplay quoi. Le piratage. Voilà, donc ça c'est réussi. La tourelle, et donc avec. Oh putain! D'accord. Allez, combat de. combat terminé. Super! C'est elle que j'aurais dû donc pirater, putain! Bon, on va l'acheter, j'en ai marre de faire du piratage. Un peu que the... Avec The Patrick. Alors maintenant. Oh, oh putain, il y a une tourelle en plus. Mais vous abusez là. Ah c'est bon, j'en ai marre. Tiens, mange-toi ça. Voilà. Mais. Ah ouais, non mais c'est bordel hein, c'est pas possible. Toutes les deux secondes je vais me faire attaquer par, par le peuple des robots. Allez, ouvre ces portes. Bon. Non là c'est de là où on vient. J'ai vu qu'on pouvait récupérer une trousse de soins dans le coin là-bas. Hop là. Toujours en vie le. Roquette là. Putain mais il y en a plein. Mais je vais pas avoir le choix, ça va être fuir, fuir, fuir et fuir. Hein. Donc le protecteur, lui, il est mort. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'il fallait qu'il crève. Et le soin était là. Hop là. Tac. On se soigne. Et là, va falloir se la jouer fine. Alors non, celui-là déjà, je l'ai piraté, donc on est bon. Il n'y a pas de problème. On se baisse. Baisse-toi. Fouiller conteneur pour trouver du butin. Bon, j'en ai assez de butin. Ce qui me manque là, ce serait du soin et de lèvres. Ce serait pas mal. Qu'est-ce? Ah, rien dedans. Non plus. Ah, il y avait quelque chose là. Il y avait des balles, non? Ouais, je vais être fou. Vite ta chambre. Là, ça c'est la génothèque. Pas besoin pour le moment. Ah, ah, munitions pour mitraillette. Je savais qu'ils allaient cacher quelque chose dans le coin. Jésus, je le sais. Bonjour! Ce serait pas lui Fontaine par hasard là? Hop! Prenez vos ennemis en photo avec l'appareil pour effectuer des recherches. Chaque type d'ennemi confère des bonus de recherche spécifiques. Et essayez de prendre une photo du crossum de l'autre côté de la vitre en gardant le sujet bien centré et assez près. Alors ça c'est vraiment cool! Je me rappelle, je prenais en photo tout le monde. J'ai une photo, ça va analyser. Donc il en faut plusieurs. Ah non, ça va monter tout seul. Ah super, donc là on devrait avoir un niveau de recherche supplémentaire. Donc on fait plus de dégâts contre les crozomes plafonniers. Voilà, donc c'est vous prendre en photo toujours tous les ennemis. Par exemple, si je le reprends, je vais aussi avoir encore du bonus normalement, mais moins. Enfin, il me semble, si j'ai de la. Voilà, donc là ça fait une photo C parce qu'on l'a déjà photographié. Mais bon, peut-être que. Et là, je pense que si je le refotographie encore une fois, ça fait plus rien. Normalement. Ah si, ça marche encore. Vous savez quoi? Ah voilà, au bout d'un moment... Ah non, ça prend, hein. Bon, attends, mais... Ah merde, c'est barré. Au bout d'un moment, il s'est dit... Oh, tu vas pas cheater, mon petit... T'arrêtes d'abuser, là. Alors, on récupère les trousses de soins, ça, c'est cool. Sullivan. On va se mettre les armes un peu.
Là, il y a rien du tout. Sinon, je regarde bien si j'ai rien oublié parce que c'est le genre d'endroit où il cache des trucs. Visiblement, non. Oh, j'ai eu peur. La porte s'est fermée sur ma gueule. Ah, bonjour. Bonjour, fou des explosions. Pyromaniaque. Hop là, donne-moi ça. Bon. C'est bon, c'est... Jardin des glaneuses. Le truc, il est pété. C'est pas drôle. Putain, il a explosé ce bâtard. Ah, balise de sécurité. Donc, les créatures touchées seront attaquées par les caméras et les tourelles. Ouais, mais ça, on va stocker dans la génothèque. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah merde, j'aurais dû l'utiliser maintenant, en fait. Putain de boîte de conserve. Attendez, ce qu'on va faire, c'est quoi? Passer sur le côté, délicatement, niquer la caméra parce que c'est plus dangereux. Voilà. Et toi, mon gars, tu fuis pas très loin d'ici. Hein. Merde. Ah, il a une sale gueule, c'est une horreur. Tiens, dégage. Hop là, il n'y avait rien sur lui. Oh, le clochard. Ah, attendez, caméra, rien du tout non plus. Ça, on peut acheter des balles, mais non, je suis assez full, c'est pas mal. Là, ok, et ici il devrait y avoir une... Voilà, il y a un protecteur avec une petite sœur là de derrière. Mais je peux pas y accéder. Bon, à mon avis ça sera plus tard, ou alors j'ai dû rater quelque chose, bon c'est pas trop grave. On n'est pas là pour faire tous les objectifs secondaires, je l'ai déjà dit, redire, Heidi. Allons par là-bas. Hop là, hop là. Oh, trois d'un coup. Eh, j'ai de la chance. Ça, c'est de la chance, mon gars. Vraiment magnifique. Hein. Quand on regarde. Regarde là, on voit les poissons et tout. C'est vraiment stylé. Oh, j'entends un mec là. Oh, 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 bonjour, toi. Ah, je vais pas me faire chier. Hein. Bim. Voilà. Plus de caméra. Par contre, on entend un mec crier là. Enfin, il chante, je sais pas quoi. Dégage. Dégage, t'es... Il est où, l'autre salaud là? Toi, alors. Toi, mon gars. Putain, mais crève, voilà. Les balles, les dollars, les petits bifons. Toi aussi, tes 2 dollars de merde. On va aller par où en fait d'ailleurs? Il n'y a plus d'objectif. Bonjour! Ah, c'est drôle! Putain de merde! Aïe! Calmez-vous, les amis, s'il vous plaît. Arc électrique. Hop là! Hop là! Prenons la clé anglaise, tu dégages. Tu dégages aussi. Il a fallu que je prenne des photos de ces bâtards. Putain, merde. Hop là, photo de caméra de sécurité. Ah non, j'ai eu le plafonnier sans vouloir, il était juste au-dessus. Donc niveau de recherche supérieur. Il va falloir qu'on nique le machin là. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu et ça a mis la sécurité. Non. Oh 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 oh. On sourit pour la caméra. Donc, pénalité, sujet déjà photographié, je m'en fous. Hop là. Cette photo était magnifique. Hop là. Et moi, je me fais grave tuer le truc. Ah, ça marche plus. Merde, donc il y a le robot qui est en train de me faire chier. Est-ce que je peux péter la caméra, s'il vous plaît? Voilà. Mais évidemment, ça ne suffira pas. Et on va payer pour arrêter l'alarme. Ah, parce qu'on va pas se faire chier, quand même. Oh, 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 je t'avais oublié, toi. Merde. Au moins, cette pute, elle est moins forte que l'autre, là. Celle qui envoie les roses, là, elle était vraiment cheatée. Putain, mais vraiment des ninjas, ces bâtards. Arrêtez. Attends. Crève. Voilà, c'est bien. J'espère que t'as du gros stuff sur toi. Organe de chromosome platonie. Ah, ça me donne une trousse de soins. Genre ton organe c'est une trousse de soins. Bah ouais. Je trouve ça tout à fait logique. Des pansements. D'autres pansements ici. Ils sont trop pour moi. Penchement. Allez. Allez. Voilà. Oh, j'entends un tuc. C'est ça qui fait le tuc. Attends, on va le pirater. Le truc, pourquoi pas. Lancer piratage. Allez, let's go. Comme ça il va nous suivre et après on arrêtera la vidéo donc sur ça. Ça sera donc très bien. Hop, on va prendre celui-là. Celui-là, tac. Regardez, je le fais le plus rapidement possible pour ne pas vous embêter, les amis. Hop, putain, il va.
Ah ouais, ils ont creusé la chose, j'ai l'impression. Tac. Go, 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 Power Ranger. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, ça, on peut le mettre. Et maintenant, il nous en manque plus qu'un. Et il est ici. C'est magique, les amis. Donc voilà, on a un robot qui a l'air d'être assez mal en point, mais il va nous aider. Bonjour, robot. Ah, tu es mon ami. Et bien voilà, les amis. Donc, on va se laisser sur ça. On va récupérer les PT Biftons. Voir s'il y a d'autres choses dans les casiers. Non, bah c'est bon, bah donc on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sachez que j'ai kiffé vous le faire et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire à tout le monde. Tchuss et à la prochaine.